tournage des RPG 3, c'était certainement un de nos plus gros tournages depuis Mass Effect, c'est-à-dire depuis 3 mois, en fait, donc c'est pas si vieux que ça. Au début, je crois que c'est venu d'une blague, en fait. C'était la sortie de Skyrim, il me semble, c'était en 2011, fin 2011, et on pensait au Toum, Fusroda, enfin, qu'il y avait dans les pubs et tout du jeu, on pensait fils de p***. Parce que c'était rigolo de voir le joueur du grenier qui hurle, qui dit des gros mots. Et voilà, donc thématique, médiéval fantastique, heroic fantasy, donc Skyrim, donc tout s'emboîtait parfaitement. Putain de sa mère, sérieux! Merde! Merde! C'est génial, le gars tout seul qui se vénère avec l'écho de malade. Déjà à la base, on voulait qu'il y ait des guests, on voulait pas qu'il y ait des guests pour qu'il y ait des guests, mais c'est juste que ça nous fait plaisir, de tourner avec les copains. En plus, on n'avait jamais tourné avec, avec Mathieu, on n'avait jamais tourné avec Lynx. Donc il y a Bob qui revient évidemment parce qu'il était dans le cast original. Et on voulait rajouter encore d'autres gens parce qu'on voulait vraiment faire un effet communauté, on voulait vraiment faire comme si l'aventure avançait. Pour cette vidéo, du coup, c'était un peu spécifique parce que c'était la première fois qu'on faisait appel à une personne qui réalise carrément notre place. Alors, on a déjà fait appel à des personnes qui nous aident à tenir la caméra, que nous on lui dit bah, tu fais tel angle de caméra, etc. Et nous pendant ce temps-là on passe devant la caméra, notamment pour les RPG 2. Mais là, c'était la première fois où vraiment on a fait venir quelqu'un, on lui a dit voilà le scénario. Voilà à peu près le storyboard, voilà à peu près les plans qu'on imagine vaguement. S'adapter aussi sur les lieux de tournage, c'est ça aussi le défi, parce que nous on a storyboardé des trucs, on avait un espèce de guide, mais après c'est une fois qu'on arrive sur les lieux, faut placer la caméra, il y a un champ contre champ, faut pas oublier qu'il y a un personnage qui rentre. Ça c'est vraiment le genre de question où vraiment les gens qui ont l'habitude de faire des vidéos savent se débrouiller et trouver des solutions. Et c'est pour ça que Tom, voilà, c'est super bien débrouillé. Pour Lynx aussi, donc Alexis, on a fait appel à lui, il a accepté de suite, il était ravi de participer. Moi, je vous avoue que j'avais un peu peur qu'il veuille pas porter son... Il assume pas son rôle de lutin. Alors qu'en fait, il a parfaitement assumé, on lui a donné le costume, il a enfilé ça dans la rue, il se baladait avec, mais sans aucun problème devant des gens qui le regardaient. Il a même fait des photos avec des gens, je crois. C'est vraiment... il a abandonné sa fierté extrêmement vite. Bon, pour moi, ça a été le tournage de la virilité. Voilà, j'ai appris plein de choses sur moi pendant son âge. Ah oui. Il a complètement assumé son rôle d'elfe, il a complètement adoré. Voilà. Non, sinon ça a été très sympa. C'est la première fois que je fais un caméo dans une vidéo. Non, j'ai failli y penser aussi avant. Mais c'était chouette, c'était bien. Et puis il avait appris son texte aussi. Surtout, il avait appris par cœur les répliques en elfique. Pour bien les ressortir du premier coup, et c'était vraiment quel professionnalisme, parce que nous on n'avait pas du tout appris notre texte, on n'apprend jamais notre texte, on arrive, on lit la ligne avant de la ressortir et puis basta quoi. Et lui il avait vraiment tout appris le texte en venant, donc il avait vraiment fait les choses impeccables, tout carré avant de venir. Mais les gars c'était hyper adorable, enfin voilà, on va pas dire voilà c'est nos collègues de YouTube, donc voilà on est tous amis, voilà, la grande famille de YouTube. Non ils sont vraiment super cool. Et c'est pour ça l'anecdote c'est que Bob dormait à la maison et il commentait le 3, parce qu'il fait ça chaque année, donc le truc c'est que le 3 ça se passe en Californie, à Los Angeles, donc décalage horaire, donc il devait rester éveillé jusqu'à 3h, 4h du mat pour voir les conférences de Sony, Microsoft, tout ça. Et du coup bah, il l'a quand même fait. Du coup, ça veut dire qu'il faisait des nuits blanches, littéralement, où il se couchait à 6h du mat et il se levait à 7h30. Donc il avait 1 heure de sommeil, donc entre chaque prise, on voyait Bob effondré par terre en train de dormir quelque part. Il a dormi partout, ouais. Il a dormi à côté de l'auberge où on a tourné la scène de l'auberge, il a dormi dans la forêt, tel un Jon Snow replié avec sa couverture et sa fourrure comme ça. Ce qu'on peut retenir, c'est que, voilà, Bob, je te tire mon chapeau, parce que j'ai jamais vu un mec, enfin comme il dit, il burst en fait, voilà, il trouve l'énergie quand il faut, dès qu'on lui dit action, balance ta réplique, tac, boum, il rentre dans le personnage, il te sort le truc, nickel, il joue bien. Donc voilà, Bob, respect infini. Ensuite, concernant Mathieu aussi, Mathieu qui joue super bien aussi, franchement, il a une bonne ribambelle de bons acteurs, franchement. Pour le coup, voilà, je veux pas cirer les pompes, mais ils ont tous assuré, et puis ils ont même proposé des trucs. Genre Mathieu, la scène de la taverne, dans la crêperie, c'est lui qui a proposé, enfin qui a modifié légèrement la phrase. Genre, la réplique dans le texte, c'était « Merde, on m'a volé mes pompes ». Voilà, c'était ça. Et il a rajouté le « encore ». C'est un petit détail, mais je trouve que ça rajoute, enfin, il y a une notion... Enfin, un côté humoristique supplémentaire, je trouve, quand même. Le fait que le Hobbit se fasse tout le temps taxer ses pompes, je trouve ça rigolo. Un peu plus vénère, une dernière un peu plus... Ouais. Putain, on m'a pris mes pompes. Putain, on m'a encore volé mes pompes. Ou alors aussi par exemple sur la scène du château où on arrive et qu'on voit les oreilles de Lynx qui sont au sol, il en a rajouté énormément derrière en faisant par exemple le allô qui fait ça y était pas, et bon ça, on l'a laissé au montage du coup parce que c'était extrêmement drôle. Et franchement, c'est un régal, il joue super bien. En plus, il a amené lui-même son costume. C'est le costume qu'il avait au Geek Ferries, avec ses petites babouches qui vont à l'envers comme ça. C'était très rigolo. Et puis aussi, évidemment, faut pas oublier de remercier Sean Geek, qui est la costumière officielle, qui nous fait tous les costumes dans les JDG, qui a fait tous les costumes, en fait. Elle a les costumes d'Alpha 5, les costumes de Terminator, les costumes... des RPG 2, les costumes des RPG 3, enfin voilà, elle a passé énormément de temps à faire les costumes, elle a fait du super boulot, vraiment nos costumes ils sont magnifiques, ils rentrent super bien à l'écran, et donc bah, on lui fait un gros bisou, et c'est aussi la fille qu'on voit jouer l'elfe dans la vidéo et qui s'en prend plein la gueule. Tournage au château, bah, c'était un peu délicat dans le sens où le château était ouvert au public. Donc voilà, on a dû tourner au milieu des gens, mais et au milieu des travaux aussi. C'est ça le problème, c'est que pile à l'endroit où on devait tourner à la scène de la tour, donc la scène de fin avec Lynx, d'autres avec une scie circulaire, et ça résonnait puisque c'était une enceinte en pierre, donc c'était une magnifique caisse de résonance. Bah, on est censé tourner cet après-midi, sauf qu'il y a des gens qui tapent sur des pierres, qui font des travaux, donc moi, avec mon micro, bah, je vais avoir du mal à enlever tout ça, donc je pense qu'on est parti pour tout redoubler en post-prod. Ça va être super. Voilà, c'était compliqué parce que là, on avait vraiment besoin de son, on pouvait pas tout redoubler après, enfin on l'aurait fait sans doute, mais voilà, c'était important d'avoir une bonne prise de son, donc les gars ont été super cool avec nous, les ouvriers, à chaque fois qu'on disait qu'on tournait, enfin on les prévenait juste avant, donc ils s'arrêtaient, ils faisaient une petite pause le temps qu'on enregistre, et donc après on les prévenait quand c'était fini, et puis ils pouvaient repartir bosser, donc on a pu faire ce qu'on voulait faire, et on les en remercie beaucoup, donc des bisous. Et donc pour cette vidéo, je suis bien content qu'on ait été les premiers à le faire, on avait des drones, on avait des plans en drone, et ça rendait... super bien, et franchement ça a tout de suite de la gueule, et pour les même s'ils apparaissent, même s'il n'y en a que 4 dans toute la vidéo, ça rend extrêmement bien. Je les remercie, je remercie Dominique et son collègue qui sont venus de Haute-Savoie, c'est Drone Capture System, je leur fais de la pub parce que vraiment ils sont super gentils d'être venus d'aussi loin pour nous aider. Grâce à eux on a pu faire des super plans en drone pour l'intro et aussi pour la conclusion, ce plan où la caméra s'éloigne comme ça, c'est pas un zoom, c'est vraiment un plan en drone. Oui, moi je me rappelle du dernier plan en drone qu'on a fait avec le gros drone, le rouge et noir, enfin le mastoc quoi, vraiment le drone de compète. On l'a fait sur la fin de la batterie du drone, c'est-à-dire voilà, tous les gyrophares, ça clignotait de partout, ça bipait, le truc c'était la fin de la batterie, c'était le dernier plan qu'on pouvait faire avec, et Dominique, qui pilotait le drone, était un peu en panique, parce que, enfin moi sur le coup je réalisais pas, j'ai dit il n'y a plus de batterie, tu remets une batterie, c'est bon. Mais oui, mais le truc il est en vol, il est je sais pas combien de mètres dans les airs, et il y a peut-être des gens qui pourraient passer en dessous et se faire décapiter, broyer. Cette scène... J'ai failli m'évanouir, ouais, parce qu'au niveau batterie on était très très chaud à la fin, mais non je pense qu'elle va bien rendre, le travail est pas mal et tout. Mais pour le coup ça a rendu la scène un peu intense quoi, c'est-à-dire moi j'étais avec mon téléphone portable, il y avait Fred qui était là-haut, qui était caché dans la tour en fait, qui parlait à Lynx pour dire ouais vas-y c'est le moment, vas-y montre-toi machin. On a galéré, on a fait plein de prises, et la dernière, je crois que la toute dernière où il n'y avait plus de batterie, où Dominique il a dit non maintenant faut se poser, faut arrêter parce que sinon il va y avoir accident, c'était la bonne et c'est celle qu'on a mis dans la vidéo, donc c'était chaud, in extremis, mais au final c'est réussi, donc... on est content. D'ailleurs, je pense qu'il y a des habitants de Fougères qui ont dû se poser des questions, notamment le plan où Lynx était en haut de la tour, donc qui était une parodie d'un plan de... Enfin, une parodie, c'était une reprise du plan de Sacré Graal. Il était filmé par drone, c'est-à-dire qu'il avait vraiment le drone qui était à 3 cm de lui, et qui s'avançait vers lui, et il m'avait dit que ça le faisait assez flipper, parce que le drone était quand même un gros machin, un truc qui vraiment... Qui est vraiment impressionnant, c'était pas le petit drone comme ça, c'était le gros drone, le gros drone, enfin voilà. Du coup, il y a des habitants qui devaient le voir de loin, parce que la tour du château se voit de tout le village, et il y a des habitants qui devaient voir un mec déguisé en elfe avec un drone qui se dirige vers lui, enfin un elfe en lutin, donc ça devait être assez rigolo. Alors Lynx, comment ça s'est passé en haut de ta tour? Super, j'ai l'impression d'être le roi du monde. Je suis le roi du monde des cons, mais le roi du monde. D'ailleurs, pour l'anecdote, on a failli avoir des problèmes avec ça. On a failli avoir des problèmes parce que... Je pense, hein, ça n'est qu'une théorie, mais quand on a fait le plan en drone dans le château, avec Lynx donc, quelques dizaines de minutes plus tard, on a un hélico de la gendarmerie qui nous a survolé. On avait déjà tout rangé, mais on a un hélico de la gendarmerie qui nous est passé au-dessus, puis qui est repassé une deuxième fois au-dessus. Je me demande, ce n'est qu'une théorie, mais je me demande si c'était pas pour nous, quand même. Je pense que c'est pour nous, parce que quand même l'hélico, il nous est passé deux fois au-dessus, hein, en tournant en rond, donc... et il y avait personne d'autre que nous, donc... Mais après, quand ils ont vu qu'on était juste des... Quand ils ont vu le costume de Lynx, je pense qu'ils se sont dit, c'est bon, c'est pas des terroristes. Et puis Linksthesun nous gratifie d'un costume. Fais le travelling sur la gauche, vas-y, vas-y. Oh qu'il est beau. Oh putain. Oh qu'il est chou. Est-ce que tu peux dire tingle tingle? D'ailleurs dans les autres anecdotes aussi, on a tourné un plan qui n'est pas du tout utilisé, qui est à la fin quand Lynx s'est affalé par terre après que nous on s'en va après le plan de fin. Dominique, qui pilote les drones, s'est amusé à faire quelques plans en rab où on voit donc Lynx allongé par terre avec la caméra qui zoome sur lui à la façon d'une mort dans GTA, vous savez, Wested qui apparaît. On l'a pas utilisé finalement, mais c'était assez drôle parce qu'en fait on avait même eu l'idée de faire en sorte que le lapin qui était à ce moment-là assis sur lui triomphalement s'en aille avec l'hélice du drone à un moment, quand le drone se rapproche de Alexis qui était comme ça, qui flippait vraiment parce qu'il avait vraiment le drone à 3 cm au-dessus de lui, que le lapin s'en aille avec le vent, mais bon ça rendait pas très parce que du coup le lapin il roulait, on voyait bien que c'était le vent des turbines du drone qui le poussait, donc voilà. Il y a aussi le fait qu'on devait tourner la fameuse scène avec les elfes, le roi des elfes, l'elfe Sylvain, donc Lynx, mais aussi ses sous-fifres. Donc on est sur le lieu de tournage avec tout le monde, équipé, prêt à tourner, caméra, batterie, Tom chaud, bouillant. On n'a pas de flèches. Comment on fait? On a des archers qui bandent dans le vide. Donc qu'est-ce qu'on fait? On est dans une forêt, il y a des bouts de bois. Allez, on improvise, tac tac. Donc tout le monde est parti récupérer des branches pour essayer de trouver un truc. Voilà, hyper plat, hyper long, pour qu'il ferait office de flèche. Ensuite, il dit ouais, mais les flèches, c'est pas juste des bouts de bois, il faut aussi des pointes devant. Donc comment on fait? Récupère la canette de coca, faire des trous dedans. Essayer de faire des petits triangles qu'on replierait, tac tac. Et hop, on l'a mis au bout. Et ça passe nickel au final, ça passe impeccable. Alors le problème, c'est qu'on n'a pas de flèches. Du coup, on essaye de bricoler des flèches. On a cherché des bâtons qui sont assez droits dans le bois. Et ce qu'on est en train de fabriquer, ça va être en train de fabriquer quelque chose pour faire des pointes. Donc, on essaye de se débrouiller. Mais c'est comme ça. Dans les tournages, la qualité numéro 1, c'est la débrouille. Donc, on essaie d'improviser. Donc, pour le coup, je pense que toutes les personnes qui étaient témoins sur le tournage ont pu s'apercevoir à quel point on était à l'arrache, mais complètement. Mais ils ont vu aussi à quel point on avait la capacité de réussir à s'adapter en fait, et à réussir à sortir de situations où tout le monde aurait pu dire ah, on est foutu, on décale le tournage, c'est terminé. Non, il y a des bouts de bois, il y a une canette de coca, MacGyver, le mulet, on répare, tac, on s'adapte et ça marche. Et c'est tout le temps comme ça dans JDG. Je pense qu'on ne serait pas arrivé là où on en est maintenant si on n'aurait pas réussi à s'adapter dans toutes les situations critiques. Quand on était dans la forêt Fougères notamment, il y a un moment où il y a un groupe de vieux qui est sorti d'entre les fougères, justement, parce que la forêt de fougères, il y a plein de fougères, qui sont passés devant nous en mode « Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, mais regardez ces petits jeunes, là, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de tourner? Mais c'est rigolo, ils sont beaux, vos costumes. » On vient de se faire intercepter par un groupe de touristes qui viennent d'arriver. Du coup, on fait une petite pause. Et donc, ils ont pris des photos avec nous alors qu'ils savaient pas du tout qui on était, mais c'était assez marrant. Que, du coup, s'ils ont des petits enfants et qu'ils leur montrent, et on va faire « Mon Dieu, mais c'est Mathieu Sommet, mais mamie, mais qu'est-ce que tu fous avec lui ?» Ben, voilà. Donc ça c'était assez rigolo. Conclusion, ça s'est bien passé, enfin en tout cas mieux que je le pensais. C'est vrai que Tom nous a énormément aidé, c'est vrai qu'on avait énormément planifié. Ça fait partie des rares vidéos qu'on a storyboardées à l'avance. D'habitude les vidéos on les storyboard jamais. Là comme c'était de la grosse mise en scène, on l'avait fait pour Mass Effect par exemple, là on l'a refait. C'est vrai que ça faisait partie des gros projets qu'on voulait finir sur la chaîne. On avait fait un autre gros projet, on a commencé la Disney 1 et c'est vrai que j'ai vraiment très envie de faire une Disney 2. Ça voilà, et donc la RPG 3, ça faisait vraiment, on voulait vraiment qu'il y ait une conclusion, on voulait pas laisser ça en plan, genre au milieu de la RPG 2 sans qu'il y ait une conclusion. Donc moi je suis vraiment content d'avoir tourné ça, parce que c'est ça aussi les Joueurs du Grenier, c'est aussi des fois où on se casse le cul au-delà de ce qu'on devrait faire, même des fois les gens qui nous disent mais non, pas besoin, la mise en scène, on s'en fout, machin, nous on veut du test, etc. Oui mais non, parce qu'il faut, que nous on se fasse plaisir aussi. Et nous, faire de la mise en scène, ça nous fait plaisir, ça nous éclate, ça nous plaît. Et vraiment, Ça fait partie des trucs aussi, justement, de ce qu'on veut dégager sur cette chaîne. C'est, il y a des fois des vidéos un peu plus petites, avec un peu moins de scénario, mais on veut aussi qu'il y ait des fois, il y ait la grosse vidéo avec vraiment plein de moyens. Ou vraiment, je le dis, cette vidéo nous a carrément coûté 4 fois plus qu'elle nous a rapporté. Hein, mais c'est pas grave, et on s'en fout, on regarde pas les dépenses. Parce que, justement, c'est ça aussi, on veut montrer que des fois, on se lâche et on fait vraiment tout pour le public et pour que les gens ils se disent ben là putain là ils ont vraiment tout donné et là c'est vraiment on voulait vraiment que les gens aient ça dans leur tête quand ils sortent de la vidéo qu'ils se disent waouh je viens de regarder une vidéo mensuelle sur internet et j'ai l'impression d'avoir vu quasiment un mélange de courts métrages et de tests de jeux rétro et c'est ça des fois on veut aussi faire ce genre de grosses vidéos on veut vraiment se donner du mal on veut vraiment montrer qu'on aime ce qu'on fait et c'est en faisant ce genre de gros projets qu'on montre vraiment qu'on aime ce qu'on fait. Ben merci d'avoir regardé, puis j'espère que cette vidéo RPG 3 vous a plu du coup. Allez, on est parti pour tourner. Suivez-moi. Le soleil va se... Merde. Le soleil va se... Putain! Le soleil va... Je vais prendre... Le soleil va se coucher, il faudrait se reposer. La ferme! Tais-toi! Ta gueule! Non. Je crois que mes sens de crayon... couleur. Mes sens de crayon de couleur... Je crois que mes sens de cambrioleur strictement humain m'indiquent d'un danger imminent. Un danger, merde! Je crois qu'ils veulent nous voler du mal. Merde! C'est ça. Je crois que ce sont des elfes sylvains. Ça va être très dur, je crois. Putain, Seb les lunettes. Ce sont des elfes sylvains. Alors, vous n'avez pas besoin, on dirait que vous êtes sur un bateau. Je suis Sylvain, fils de Sylvain. Alors, on continue à faire la gueule. Roi des elfes. Désolé. Je suis Sylvain, fils de Sylvain, roi des elfes. Toblerone. Ah ouais. Toblerone. Ah bah Ron et Mono. Au nord, dans la forêt des elfes sylvains. Oh merde, fais chier, enculé. Oh, merde. Vous pensez vraiment de ça? J'ai un trou. Je suis désolé. Moteur et action. Tu me donnes la réplique ou... Ah bon. J'ai hésité à tousser quoi. Seuls mes amis m'appellent comme ça. Je ne veux pas faire plus over the top que ça. Un petit peu moins pompeux. Ouais. Et au pire, tu peux essayer d'aller over the top mais prends un accent espagnol. Yo mes amis, je m'appelle comme ça. C'est mes amis. Oh. Allez, on enchaîne. Mais qui m'a volé mes putains de pompes? Ça fait la deuxième fois cette semaine. Ça fait chier. Quoi? On m'a encore... Non. Mais merde. Ah mais putain, encore volé mes pompes. Maudit, soyez-vous! Plus rapide, faut que tu restes moins longtemps fixé. C'est vraiment le comic relief de cette vidéo. Il est là-haut! Oh putain, tu me l'as mis dans les couilles! Ah. Vous êtes pas beau! Vous puez du slip! Voilà! Il y a une dame dans le cadre! Excusez, est-ce que vous pouvez vous écarter un petit peu s'il vous plaît? Il est trop mignon en plus, il est adorable. Le lapin au ralenti, quoi ça? Et voilà les amis, nous avons battu le méchant, libéré le château. Et là, je prends les retracés, ce sont... Vous voulez un prospectus? Vous voulez un prospectus? Oh putain!